Que font la plupart des gens, 97% des gens en fait, ils se disent non, c'est pas possible de faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. On fait pas ce qu'on veut dans la vie, hein, on fait ce qu'on peut. Et c'est faux parce qu'à la base, je dirais, c'est comme s'ils avaient un ballon à leurs pieds. Il y a des buts en face d'eux, il y a un gardien de but, hein, il y a quelques obstacles peut-être aussi, il y a un mur, j'en sais rien. Et ils se disent non, j'ai pas envie de tirer, non, j'ai pas envie. Non, je ne peux pas, je t'ai dit. C'est ça, oh, regarde, tu vois. Et les gens les plus rationnels sont souvent les plus négatifs. Et plus on est intelligent, plus on aura la capacité, cette propension complètement dingue, on croit que c'est la maturité alors que c'est complètement immature, de couper les cheveux en 25 et de trouver toutes les solutions. Et vous connaissez des gens qui vous entourent comme ça, hein, qui vont venir briser votre élan. Non, on ne peut pas y arriver, c'est impossible, regarde, tac, 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 tac. Ils vous sortent plein d'éléments. En fait, quand vous êtes comme ça avec vous, c'est comme si vous disiez « Non, je ne veux pas taper dans ce ballon parce que de toute manière, je n'y arriverai pas. » Est-ce qu'on va augmenter nos chances de marquer un but si on tape dedans? Vous allez me dire « Bah oui, Franck, mais si vous tapez un million de fois dans ce ballon, au bout d'un moment, même si tu ne sais pas jouer au ballon, qu'est-ce qui va se passer ? » Eh bien, tu vas l'atteindre, cet objectif. Mais à l'origine, cette pensée du 110, elle n'est pas magique, hein, mais elle est très puissante parce que elle va à contre-courant de ce que vous avez appris depuis toutes ces années. Je peux faire ce que je veux, parce que je le mérite. Je peux faire ce que je veux, ça prendra du temps. Je peux faire ce que je veux et j'apprendrai comment. Je peux faire ce que je veux. Ça, c'est la première clé très puissante de ce que nous appelons la pensée du 110. Deuxième élément.